Tous les mercredis soirs, 10h sur RPTV, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Watchly, poté pour tous les mouvements de la vie sociale en Haïti. Le comportement de l'Haïtien en société, la société vis-à-vis du comportement des Haïtiens, à l'émission vidéo documentaire Réalité quotidienne vécue en Haïti avec Watchly, directement d'Haïti. Quoi de plus extraordinaire de vous rejoindre sur Roupi Production TV, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est avec un pile plaisir que nous entrons la caillou pour nous présenter l'émission Paul. Bienvenue à l'heure de réalité quotidienne vécue en Haïti. Mes chers téléspectateurs, réalité quotidienne vécue en Haïti, c'est une émission qui a pour vivre fortement mon monde par la caillou en Haïti. À l'émission du jour, nous pourrons permettre de vivre fortement mon monde dans le bus pendant qu'il y a voyagé. Nous pourrons permettre de suivre l'interview qui nous a réalisé avec des passagers, avec des agents marketing qui ont présenté des produits dans le bus pendant ou à voyager. Nous pouvons vivre tout chauffeur bus là qui est intervenu dans le micro à RPTV. Restez branchés, Roupi Production TV, nous allons retourner pour nous faire vivre ce moment là. À tout à l'heure. L'ex-community ballroom et restaurant l'ouvrit porte-lit dans 4322 North State Road 7, l'odeur de l'ex-Florida, pour le desservir tout le monde à la ronde badet, qui a cherché un bon restaurant pour bien manger. Yon salle de réception pour les grandes occasions, yon espace de rencontres socio-culturelles, yon salle de conférences pour les séminaires. Relais 954-677-5117 pour information et réservation. L'ex-community ballroom et restaurant paraît pour recevoir mariage, baptême, communion, baby shower, anniversaire, réunion familiale, banquet évangélique, réunion de travail, soirée dansante, événements culturels ou autres activités privées ou publiques. Relais 954-677-5117. Salle spacieuse, espace confortable, section VIP pour les invités de marque, prix abordable. L'ex Community Ballroom et Restaurant à votre service. Au 4322 North State Road 7, l'odeur de l'ex Florida. Téléphone 954-677-5117. 954-677-5117. L'ex Community Ballroom et Restaurant, l'espace des célébrations de classe. Johnny C Productions is inviting each and every one of you on Saturday, July 8, 2017 at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia, to dance the night away at the sounds of the beat of Jay Beats. Music, ça, c'est pour ex-moi. What a wonderful night for Atlanta, Georgia, Saturday, July 8, 2017, Jay Beats, the beat, performing all hits just for you. Also performing live, Bougie Mix. Special happy birthday to Bougie Mix, Fred Sound and Marie Cassandre. Keep it tight. At the intermission, DJ Easy will mix it to your taste. Saturday, July 8, 2017. The beats start at 10 p.m. at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia. $30 in advance, more at the door. Reserve your tickets and tables today by calling 404-901-1511, 404-901-1511. Most credit cards accepted. Saturday, July 8, all at the Hall. HKP avec Vision Entertainment. Prends plaisir pour l'inviter nous toutes et nous chaque. Vine danser Vibe de Michael Guirand. Samedi 29 juillet 2017, l'an des 10h du soir, dans Global Mall. Qui dans 5675 Jimmy Carter Boulevard, North Coast, Georgia. Bon compas, belle ambiance, gros bal avec Vibe de Michael Guirand. À l'intermède musical, DJ Easy a metté animation Yon Bo. DJ Frankie a poté la gaieté Yon Lot Bo. Vibe, Tribo, Pabo pour bien danser. Samedi 29 juillet 2017, 10h du soir, Vin Vibe, au 5675 Jimmy Carter Boulevard, North Coast, Georgia. Admission, $30 à l'avance pour tickets, informations et VIP. Relais 678-923-60-62, 678-777-42-66.
305-908-380-7205. Roupi Production Television, RPTV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10h, Opinion PAO avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10h, Opinion PAM ak non PAM c'est Roupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soirs, 10h, série de vidéos documentaires à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Roach Lee, le correspondant de RPTV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10h, promotion totale. Le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous les vendredis soirs, 10h, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi, 6h du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Roupi Culturel TV Show. Tous les dimanches soirs, 6h, moments spirituels, activités des artistes évangéliques et gloire à Dieu. RPTV, Roupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Moi, dans le marketing, 4 ans dans le marketing.
moi faut produire pas moi qui sont sur la tirée de santé police moi mon cannabis moi qui fait carrefour les organes moi les organes qui boivent mon qu'on voyage l'ambis qui fait Okaï l'ambis qui fait Jérémy mais les ma voyage me sentir mal à l'aise et tout chauffeur autour yo supporter moi et passager autour yo supporter moi et produit que ma bonne non bon bagaille si on a tiré santé police mon cher il pas connait quand même et depuis mon machine des fois yo pas même qui de parler de lui c'est eux même qui prend siwa c'est les siwa veut parler de siwa là-bas siwa là li bon les siwa santé police sont siwa qui bon en pile pour infection les siwa fait mal acide votre mode votre fait mal alors sont bon bagaille et ça fait plaisir. Je moto machine, m'a parlé de siro santé police. Et gien pilote collègue moi. Les rangs célestes, gien passager qui dit problème que li gien avec nous, les n'a présenté un produit nous dit li bon pour sans une maladie. Oui, c'est ça, c'est vraiment m'accepté. Mais parfois en nous par exemple des siro pam qui vendent là. Siro pam non, les m'a parlé de gaz. Moi toujours dit ça. Moi toujours des fois regarde dit siro bon pour sans une maladie, même on dit mais seulement gaz bail plus que sans une maladie. Alors les gaz bah plus c'est sans une maladie, les à l'hôpital ils pas possible de dire sans une maladie, ils a possible de dire vos gaz. Même tout de priver quelque bayo, en tant que on prend gaz bah prostate, gaz bah excel estomac, gaz à d'abord qui sont en verre, gaz à d'abord hémorroïde. Les rangs célestes, pendant on cite toutes nos maladies là yo. Gien passager qui parlait dans micro nous, yo dit nous rentre bien fond dans question yo comme si science là c'est nous qui fait. Chevé là comme ça. Des produits nationaux et des produits importés aussi. Moi, je sais que ça a fait, il n'y a pas un mauvais bagage, mais il y a des fois, il y a des mauvaises conséquences. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. On parle de bon côté. Bon côté, il y a parfois, on a besoin de médicaments, sur le marché est cher, la pharmacie est chère, le marketing est un côté pour nous, à meilleur prix. Mais après cela, ou pas penser que il est capable d'expirer, qui fait le bail dans le prix ça? Non, il va pas expirer parfois. Parfois, c'est qu'on a besoin de faire population pour les médicaments, on la gagne avec mais puis aussitôt que on est qu'on veut monter courant. On parle de mauvais côté. Mauvais côté que le bien, il peut présenter un médicament, il peut vous une maladie, carrément une maladie, etc. Je ne comprends pas qui j'en fais médicaments et dit pour ça une maladie. Parfois, nous avons acheté tout, nous avons boit et pour maladie, nous dit bon. Parfois, nous avons boit bon, parfois, nous avons boit pas passé aussi. Médicaments pas bon pour ça une maladie. C'est mauvais côté ça, quand il a donné. Nous avons proposé ça, c'est parce que nous avons besoin de faire produire passer, puisque nous dit bon pour ça une maladie. Tout le monde qui a une machine, nous avons maladie différente. Laisse ça, produire passer, vivre. On va penser, est-ce que c'est un mauvais côté tout les agents marketing c'est là a parlé de plusieurs infections ils ont entré bien fond dans question hein? Surtout il y a des passagers qui dans bus là qui capable maîtriser question ça puis bien passé question d'infections, il y a plusieurs types d'infections. Yo seulement dit médicaments pour infection mais on pas dit qu'infection
parfois on va dire qu'il y a infection. Là, on prend un médicament pour infection. Il y a l'autre côté qu'on a produit là. Ou est-ce que vous avez pris un médicament pour infection sans que vous n'avez pas pris un cause secondaire? Et ensuite, vous n'avez pas pris un médicament pour infection sans que ce n'est pas un docteur qui prescrit un médicament pour infection. Qui veut dire, ou même en tant que passager, et ça, pas déranger lorsqu'il y a un bus ou voyager pour un jeune garçon campé, la parler dans les oreilles qui a présenté des produits. Parfois, il est dérangeant, parfois, lorsqu'on sort de l'école, on est fatigué, parfois, on nuit, parce que on prend besoin de repos dans la machine et plutôt à appeler, parler, ça conduit. Est-ce que vous ne pensez que ça nuit et puis il y a quelques monde qui est capable de chuter beaucoup de là, ça fait du bien, qui est lui-même qui tape tant de produits, qui est dans le bus, pendant la voyage, qui est capable de jeûner dans le meilleur argent marketing? Oui, ça va arriver, il y a des gens qui ont besoin de produits, puisque la pharmacie est plus chère, l'argent marketing ne peut plus avec meilleur prix, ils comprennent la même. Parfois, l'argent marketing est plus libre pour certains gens qui ne peuvent pas pour certains. Pour même en tant que passager, ce que message vous lancez pour tout jeune garçon qui choisit le secteur, ça va présenter des produits dans le bus avec des passagers qui voyagent, qui achètent des produits, ça va être meilleur que le message lié. Le message qui est lié, c'est prendre les formations concernant les produits. En tant qu'agent, il faut qu'on cause l'autre tel médicament qui cause secondaire qui va produire. Pas seulement fin vendre côté bail passager avec médicament ou seulement saturé de corps y a pas ou même pas côté ou pas côté comme si yo solution pour mon exact nous seulement vendre et plutôt au retour mon ka cause ou l'autre maladie encore l'autre médicament sans pas compte qui cause secondaire. Un message pour passager yo. Message pour passager les vachon médicament faut toujours vérifier. Est-ce que pas expiré? Est-ce que le médicament qui a acheté à qui cause pour le cas pour le produit sur eux? On peut être pas comme ça. Ah, petit vieux, merci. Merci pour vous offrir. Et tu t'en sors avec les chaînes de télévision ça pour nous parler de comment, en quelque fois, que nous vécu les situations ça. Et bien que nous connaissons la réalité, c'est une réalité socio-économique pays. Nous-mêmes, étant que jeunes qui sont en faculté, nous ne pouvons pas condamner ça parce que chaque monde faut qu'on vive. Chaque monde vive. Et les jeunes garçons, les jeunes filles utilisent une stratégie comme ça pour vivre. Donc ça fait du bien parce que ce n'est pas bagaille mal que l'on fait. Ce n'est pas exemple que râler son citoyen pour le prendre propre. Mais vous connaissez que toujours des controverses dans la situation, ça, on côté que. Et oui, c'est la vie que je n'ai pas cherché. Mais bon, côté quelqu'un qui dérange un peu le monde, par exemple, les gens dans la faculté, on va rentrer là, car on est tout fatigué, ou bien on est employé de une boîte publique ou privée, on va rentrer. Donc, on tellement voulu être arrivé là, car on pour reposer, donc fatigué, on commence à prendre la machine. Là. Et du coup, ou vient joindre un feedback, une réaction comme ça. Et ça vient un petit genre désagréable pour okay. Parce que l'on voyage, on a de voyager. Mais en fait, on parle de bon côté, activité, c'est là. Bon côté, c'est que je n'ai lui-même, il faut qu'il cherche travail, il faut qu'il vive, il faut qu'il mange, parce qu'il y a des besoins, il faut qu'il soit satisfait, même si ce n'est pas à 100%. Donc au moins, il faut qu'il soit satisfait à 30, 35, 40%. Donc, je n'en sais là. Et en ce qui concerne des produits à présenter, hein? Comment comprendre et produits, comment on voit produits parfois, il y a un produit, c'est sur santé, pharmaceutique. Et comme ça, tout le produit, c'est comme si c'est des produits côté que vous achetez parfum, le bagage, capon, pour vous, qui est toujours dans le même. Pour toujours pouvoir faire santé, quelque part. Donc, moi-même, j'ai acheté. Parfois, même pas acheter n'importe quel produit. Parce que, puisque il y a deux niveaux d'éducation, il y a deux bagages qu'on peut acheter dans la rue. Les amis téléspectateurs, pas oublier, on suit la réalité quotidienne vécue. On a parlé avec un citoyen qui est même habitué à voyager, qui a dit nous comment la vivre le moment si là, les voyager, l'in en bus, et puis il y a un jeune garçon ou encore une jeune fille qui a pu la présenter un produit, ça relé agent marketing par la caille dans la machine. Mais dis-nous, est-ce que ça va qu'on arrive à acheter un produit
et puis dans date expiration produit et là ou bien gardé ou écriture qui dans emballage là les différents avec date expiration. Bon, ça qu'on arrive rarement, peut-être surtout à l'examen, mais moi-même, tout situation ça va arriver souvent parce que toujours essayer de petit temps pour me lire, bien que ça qu'on arrive, malgré que ça qu'on arrive à Jean-Marc en décembre, si je m'achetais presque l'an dernier et que je m'achetais pour me baguer pour me remettre. Mais en plus de fois, même c'est pas fortune. Le bon produit dans la meilleur, il faut que vous vendez, il faut que vous mettez dehors, il faut que vous rentrez un petit corps. C'est pas fortune parfois. Et même souhaiter que les gens, c'est donc son petit genre, on son genre choisi pour vivre, mais au moins, il faut que le ministère de la Santé ait un rôle dans ce sens. Les gens qui cherchent à encadrer des formations, ou bien plus encadrer parce que ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Et tant que moi-même, j'ai des produits pharmaceutiques que je peux acheter dans la rue parce que il faut que j'ai un médecin qui prescrit. Donc, je vais acheter le pas médecin avant. Donc, il y a une conséquence. Sur mais qui analyse vous fait ou encore qui opinion par où sur question les agents marketing c'est là, rentrer dans le bus là, là, parler de un sujet, soit une maladie et infection, là, parler, il rentrer bien fort, bien fond dans la question. Pourtant, il y a des gens qui sont dans le bus qui maîtrisent les questions puis bien passées. Est-ce que vous ne pensez pas, même le ministère si là, vous parlez, est capable de faire un travail pour le faire dans la mesure si là? Effectivement, et bien pour toucher ça, ça arrive souvent une fois que vous frappez plein de soins. Parce que moi, j'estime que c'est seulement ça. Bon, en fait, pour parler de produits pharmaceutiques, de maladies, pardon, plutôt. Donc, il faut que les médecins aient une formation dans le domaine. Non. Donc, il n'y a pas de formation, seulement il y a quelques choses que le petit training, pas bah, petit training, mais plutôt quelques théories que vous avez. Donc, c'est une formation sur le sujet et que vous avez détaillé. Des fois, il y a mal qu'on a mal commencé. Et le ça, il y a des cadres dans le domaine non, qui sont du sang et qui réagissent. Ok, ça mais est-ce qu'on va penser que avant yon agent marketing rentré dans un bus, l'État supposé gagner un papier pour lui présenter avec le chauffeur, hein, avant qu'il lui-même vienne parler dans les oreilles monde, surtout qu'il a parlé des sujets qui ont rapport avec la science. Tout à fait, moi pense ça, mais est-ce que Kounia, moi pense ça, oui. Mais Kounia, est-ce que agent marketing ça lui-même? Est-ce qu'une fois que David a un papier, il faut qu'il y ait une formation, formation qui est prolongée, puisque nous connaissons que la médecine, ce n'est pas n'importe bagaille. Là encore, est-ce qu'il va l'obliger à venir dans la machine, est-ce qu'il va chercher un cadre de telle autre façon, ou bien une clinique, ou bien. Ok. Il y a un message pour jeunes garçons avec jeunes femmes qui, dans le secteur, qui a présenté des produits. Nan bus ça y aurait les Pabola Kayono agent marketing sous un message pour yo qui message lié et sous un message tout pour passagers qui voyager dans bus ça y aurait qui rencontrer moun si la yo qui message lié. Tout d'abord message là c'est pour agent marketing yo m'a dit que nous mêmes les nous dans machine non les ça arrivé les on présenter comme ça c'est pas que en pile fois il y a des réactions de mauvaises réactions par rapport avec ça que y a présenté à côté que le baguen y ont vraiment un minimum de formation de lit. Donc moi-même étant que jeune qui compte situation yo ça pas tué mais seulement et faut au moins y ont essayé et d'assurer que au bon tient cadeau et que enfin on vient vendre nos produits et au plus on pas vendre n'importe produit tout. Le bail que vous ne connaissez pas, parce que ça a une conséquence qui n'est pas sur un passager qui n'est pas formé, qui n'est pas consommé. Mais ça joue pour l'État, côté que alors, tout le monde a rentré dans le secteur, ou par contre, mesures et formations, qui a parlé sur des bagages scientifiques. C'est un message pour l'État qui vous a pris des mesures, contre ça, qui message lié. Et là encore, message pour l'État, et particulièrement pour le ministère qui croit faire ça. Ministère de Santé publique, c'est que un grand ensemble de produits pharmaceutiques qui rentrent dans le pays, qui rentrent de façon qui pas rentrer en fait qui pas rentrer, qui pas respecter en pile monde ça va pas respecter les normes. OK. Hein? Et on pas passer directement j'en peux passer.
Et le bail que vous pas soumettre là, son premier c'est là conséquence là. À mon qui pas l'acheter là et qui pas le vendre dans bus là. Nous souhaitons que l'État gonz yeux sur ça, qu'il vive sur ça et ceci pour ça yo pas continuer. Ah petit vivre monsieur. Merci en pile, c'est ton plaisir. Avant que moi rentre dans ce sujet, non pas moi, c'est là ça va fanfan. Et moi alors son passage et tout et mon connoué et comment la situation est composée dans le bus. Alors, le problème qui gagne dans le système, ça, les bons et les mauvais côté tout. On parle de mauvais côté. Ok, mauvais côté, les chitas sur deux angles. Premier angle, des fois, vous fatiguez, vous montez le bus, vous fatiguez, ça fait mal, vous ne faites pas même carte de bruit. Au monde vient camper dans tête où on l'a parlé, il a parlé jusqu'à ce qu'il arrive côté au parler, hein. C'est-à-dire les petits gens nions. Et puis pendant ce temps l'a parlé, il y a des monde dans bus qui a information dans domaine qui l'a expliqué, hein. Des fois il pas même dit exactement les problèmes au monde médicament l'a présenté, hein. Des fois il dit n'importe bagaille seulement il bon les bon volume là, les bon sensation là pour faut acheter médicament. OK. Ça qui n'a vraiment le mot la bonne sensation feeling pour acheter même les corps blanc c'est pas ta corps oublié mais on, à force que lui présenter les bon feeling dans ça là il vient fort acheter dans médicament. OK. Et deuxième côté qui pas bon encore. Des fois médicament pour acheter un médicament non petit prix mais dans petit acheter en pas oublié médicaments salés doit être tiré c'est que on parle nos potes imaginons il va vendre une boîte et boîte médicaments c'est on fait les bas alors on fait des médicaments on fait là on va voir côté date d'expiration il entre là dedans alors si c'était dans boîte là d'après côté il expire on parlait de bon côté bon de bon côté les bons les utiles c'est là que par exemple des maladies ou combien de fois ou te fait mal ou yon fièvre, ge de médicaments, ou ge ou pas l'en pharmacie pour l'acheter. Mais le fait que yon en bus, le soir, ou capable toujours besoin ou comprimé pour vous. Parce que ge de bagay qui kon niveau nan mitan yon, ou pas même geta l'en pharmacie. Là, li pote le bar ou nan machine nan, ok. Et ça bon. Et encore, des fois, et comme vous achetez médicaments à l'en pharmacie, li bar ou même à moitié prix. C'est là, li vraiment bon. Non seulement li bar ou nan prix, non prix. Qui vraiment dérisoire et puis deuxièmement les médicaments ils portent dans la machine quand ils pas même des temps aller en pharmacie pour acheter médicaments même ça une sortie ligue bon côté et ligue mauvais côté. Amis téléspectateurs ou suivre réalité quotidienne vécue en Haïti n'a parlé avec un citoyen qui a dit nous comment des ouais question agent marketing qui a présenté des produits dans bus pendant femmes et garçons citoyens et citoyennes à voyager dans le pays d'Haïti. Alors dis-nous non, ce bon message va lancer pour tout passager avec tout agent marketing qui message livraille. Bon, et message qui va lancer avec agent marketing yo et surtout gien monde qui forme la donne pour ça tout gien monde qui pas formé. Les n'a parlé plus présenter nous dans sens pour mon comprendre nous pour nous utiliser compréhension d'abord parce que compréhension que les gens parlent avec mon même fatigué il doit comprendre parce que c'est deux groupes doit faire moi même nous n'avons pas aborder pour mais l'autre porte produit ou vendre quelques produits les ça les utile maintenant pendant les utile ou même tout faut pas aller dans sens pour déranger bon alors et c'est bien ça ça me dit qu'à côté pour eux utiliser plus compréhension et mon et passager essayer comprendre tout aider yo mais pendant les appels de l'autre mais faut que nous faisons ça dans le respect. Ah oh, petit vieux bon, monsieur. Normalement marketing yo gen côté qui est bon. Mais côté li bon c'est par rapport qui gen moun li pa travail c'est là li joine possibilité pour dégager. Mais gen des passagers qui kon dit que trop bruit dans tête yo parce que yo monté mais yo fatigué et pas laisser pour nous joine on a parlé dans tête yo. Donc moi même qui pas tellement dérangé. Bon, pas connait pas. Ou même en tant que chauffeur, ça va déranger. Non, il pas déranger. Mais qui bon côté ou activité si la gagne ak mauvais côté le gagne. Bon, bon côté a c'est par rapport qui bon, mon a dégagé, moi pas dire non, mais mauvais côté a parfois
et tu as un bruit dans la machine, on va attendre parce qu'il fait 45 minutes à parler dans la tête. Donc c'est la boule. Mais est-ce que vous payez tout les monter machine dans même? Est-ce que vous payez tout cela? Oui, vous payez tout cela. Normalement, il y a une machine qui a ce large, il y a un espace, vous ne payez pas. Mais au même temps que le chauffeur, c'est pour vous qui est intéressant, surtout le produit à présenter, ça va vous intéresser? Bon, il y a des produits qu'on présente, ils intéressent. Ça veut dire qu'on achète? Oui, parfois. Mais sous mon message, vous lancer alors pour le chauffeur qui a recevoir des gens des citoyens qui a présenté le produit avec passagers et au même tout qui a présenté le produit. Quel message lié? Message et si vous ne pas acheter, pas faire. Amis téléspectateurs à RPTV, nous sommes contents avec vous. Émission finie. C'est un plaisir pour nous porter l'émission Sabaou chaque mercredi depuis le fait 10h PM. Réalité quotidienne vécue en Haïti. Émission qui a fait vivre fortement mon activité au Babolakay en Haïti. Un sujet tout neuf chaque mercredi intéressant qui toujours pour, qui toujours important pour suivre. Fortement, mon acte, mon babolakay en activité en Haïti, Malé. Bonsoir à tous et à toutes. Retrouvez mercredi prochain pour l'autre émission Pigou. Non pas, c'est Watch des Anges. Pas oublier, avant de dormir, songez prier. Bonsoir.